Jordi Condom, il n'y a pas eu de miracle, d'effet psychologique comme il y a parfois avec, avec un nouvel entraîneur. Quelle est votre vision, votre analyse de, cette, de ce match? Le miracle a été de parler à la mi-temps 0-3, et ça c'est le miracle. Et, mais voilà, contre à 11, je pense que Open, Rousselaire a été supérieur. Et là, parce qu'on a bien contrôlé le match, on a essayé de sortir les contre-attaques et profiter des espaces qu'il y a entre les trois défenseurs centrales et les dos qu'il peut laisser. Ça, on a bien fait et grâce à ça, on a eu l'opportunité de l'expulsion et aussi rater le penalty. Ça c'est a été la clé du match parce qu'à 11 contre 11, c'est clair notre plan. Et à partir d'ici, si on marque le penalty, après nous, on peut être derrière et encore profiter plus de contre-attaque. C'est le cercle qui doit prendre des risques. À tir au contraire, nous, on a essayé d'avoir le ballon parce qu'avec un homme de plus, et c'est le cercle qui a profité des contre-attaques, des petits détails, des petits erreurs. Et après la deuxième part, la deuxième mi-temps, il y a eu des chances pour les deux équipes, mais ils ont très bien défoncé, ils ont essayé de sortir les contre-attaques et ils ont eu de grosses occasions. Mais vraiment, la clé du match a été la première mi-temps. Et c'est dommage parce que je suis très content pour un seul jour de travail que les joueurs ont très bien compris. C'est parfois difficile et maintenant, on aura un temps de préparer, assimiler, les joueurs doivent assimiler le travail que je vais faire. On aura toute la semaine parce que j'ai venu sans valise, sans rien et demain je pars et la semaine prochaine va être une journée une semaine de travail et je pense que tout le monde, je suis content avec un jour de travail qu'on a vu beaucoup de bonnes choses avec une semaine, je pense qu'encore on peut progresser beaucoup. Oui, c'est ce que Mathieu Cornet disait, c'est qu'il sentait déjà votre touche qu'avec vous on joue au football, ce qu'on vous avait parlé la semaine précédente. Donc c'est votre ambition, ça forcément, c'est de porter l'équipe vers l'attaque. Oui, porter l'équipe à l'attaque, parfois on doit prendre le risque, mais aussi je pense que la première mi-temps on a été compact et on a mis la vitesse avec Emile, avec Godwin, Seti Joni comme second point et comme cornet. Et l'autre équipe a été très compacte, a travaillé beaucoup. Et c'est un peu le détail des pénalties, c'est un gros détail, qui a un peu touché tout notre travail parce qu'a changé les guions. Les guions de les matchs a changé et après peut-être sans travail, sans savoir les mécanismes que j'ai fait comme automatisme d'attaque, peut-être a été le point faible qu'on a eu parce que notre façon avec des joueurs, avec une grande terrain, s'il y a des automatismes en attaque, peut-être on peut trouver la solution pour être plus dangereux et gagner les matchs. Vous aviez fait le choix de mettre Van Acker et le compte sur le banc. Pour quelles raisons? C'était quand même des titulaires indiscutables, en tout cas des joueurs importants. Oui, mais il y a les choix. Van Acker, je suis très content les petits jours et les choses que j'ai regardées pour vidéo. Mais la décision de se mettre en jouer plus un pivot plus défensif et un autre plus offensif, comme les PC et Guy. Ce n'est pas ma idée de mettre des joueurs plus défensifs, plus costauds. Alors, un plus créatif et l'autre plus défensif. Alors, Van Acker peut jouer avec Guy, les PC peut jouer avec Guy. Alors, c'est ça ma idée. Alors, travailler, tout le monde travaille, mais après, quand on a le ballon, moi je préfère avoir un plus défensif et un autre plus qui peut donner qui mène un peu tout l'attaque. C'est pour ça la décision. Mais Van Acker va compter sur lui, c'est un joueur que il a bien travaillé toute la saison et ici on va compter avec tout le monde. Une dernière chose justement, votre contrat c'est jusqu'à la fin de la saison avec une possibilité de prolonger. Donc l'ambition forcément c'est de sauver le club, mais vous avez déjà une idée pour plus tard? Oui, l'idée maintenant, le target qu'on a, l'objectif, c'est difficile, mais toujours va être dans les quatre premiers. Maintenant, le lire va être difficile. Et après, va être un peu préparé la part finale de la saison, les playoffs 3. Et on va voir ce qui passe. Après, on va voir et on va préparer. Si je dois rester, ça veut dire que ça, on va essayer de faire le mieux possible pour faire une très bonne équipe pour l'année prochaine, pour essayer une autre fois de monter. Ne veux pas des envies d'Espagne, de retour à la maison? Non, moi j'ai passé des mois à la maison maintenant, j'ai pris de l'énergie, j'ai pris du soleil et je retourne avec toute l'énergie du monde. Ici je suis bien, on connaît bien les championnats dans la première division A et la première division B, alors je me sens bien. Et voilà, la question c'est avoir travail, c'est mon job et c'est la chose que j'aime de faire. Merci beaucoup et succès pour Merci beaucoup. La suite. Allez, ciao.